Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278, j'espère que vous allez bien, notre chopata. On se retrouve aujourd'hui donc pour France-Mexique. Donc c'est parti. Mexique, on se rappelle, hein, qui est dans le bas du classement. Dans le vraiment le bas du classement, ils ont du mal à enchaîner. Alors on va essayer. On va essayer, on va essayer. En espérant que cette fois-ci on fasse un meilleur match que contre le Danemark. Ce n'a pas été bien brillant pour nous. Non, pas du tout. Voilà, c'est parti pour ce match France-Mexique où nous n'avons pas l'hymne du Mexique, je suis désolé. Alors l'anglais, ouais, donc on a toujours 5 joueurs, ouais. C'est par un carton. Ah, Fall Marquez encore là, putain. Voilà, qui a joué. Un peu tout jeune. Allez. Là, cette fois-ci, on met notre. But. Et 1-0. Karim Benzema, troisième minute. Il pleut, j'ai pas vu dans le jeu. Je prenais le ballon. Ah bah c'est gentil ça. Ah là 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 là, Karim, qu'est-ce que tu m'as fait? On l'avait battu en plus Corona là. Oui, ils ont une bière en tant que gardien de but, oui, je sais. Allez, 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 on peut le faire. On peut en mettre un deuxième là. Oula, ça glisse. Dévié. Alors là, Léo, c'était de la merde ce que t'as fait. Alors, au niveau de la tête, forcément, par rapport aux Mexicains, parce que c'est connu que les Mexicains de base sont de personnes de
Alors, je dis pas que c'est des lutins, attention. Mais c'est vrai que c'est un des peuples les plus petits au monde. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait 2 mètres, c'est un miracle. Hein. Pour ça que vous n'avez pas d'équipe de Mexique au basket. Oh putain. Magnifique. Et oh non, la barre. Oh la barre, sa mère. Ah putain, il va la faire la même que Casper Schmeichel. Schmeichel, pardon. Schmeichel. Mini, 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 mini. Oh la vitesse! Oh non, par contre là, oh! Ça aurait été Kylian, il l'aurait jamais rattrapé, mon gars. C'est pas du tout pour lui que je t'ai demandé, mais c'est pas grave. Fais à ta guise. Ah là 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 là, c'est de la merde. Ouais, d'accord, super. Oh, ça c'est joli ce qu'il a fait là. Tout en finesse. Bon, le principal déjà c'est qu'on mène. Et c'est la méta. Ah, Griezmann, il s'est flippé avec sa coupe de cheveux, sérieux. Allez, c'est parti pour la seconde période. Bon, là, niveau possession, on est bien. J'ai pas regardé, mais logiquement, oui. C'est the rhythm of the night. Merci, c'est gentil. Ah merde, putain, je croyais que c'était un des miens. Ah, j'aurais dû mettre le maillot blanc pour les Mexicains. C'est ma faute. C'est vrai que ça prête à confusion. Quoi? Ouais, on s'en fout. Grisou? Ouais. Oh, c'est pas ce que j'avais espéré. Oh, bien vu. J'ai tenté, hein. Touche pour nous. Hop.
Bon, ça va pas. Merci. Merci. Ah, défensivement, ils sont pas trop mal les Mexicains quand même. Hein. Sans commentaire. Sais pas pourquoi il a fait ça, je sais pas, Karim, putain. Tu me fais pitié, je pense envie de te donner 1 euro, c'est symbolique. Allez. On peut le faire, il n'y a pas de raison. Merci, c'est pour moi. Merci, ma gueule. Et 2-0. Bravo, Karim. C'est tout, ça se passe comme ça chez McDonald's. Allez, la France. Oh. Oh. Merci. Oui, non, ça c'est pas merci ça. Oh, heureusement qu'Hugo était là. Oh, pop, 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 pop. Par contre, ouais. Peut-être faire un remplacement. T'as Benzema, il arrive pas à tenir les matchs. Ben Yedder. Pas vraiment le choix. Allez. Allez. Allez, les gars. On est tous avec vous. Excusez-moi, j'ai une mouche qui passe au même moment devant mon pif. Et ça m'a saoulé. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas mis assez de puissance. Oh là 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 là, c'est mal joué.
Tout. Combien? 2 minutes? Ok. Je crois que ce sera 2-0, hein, le score final. Voilà. Score final 2-0, doublé Benzema. Ah, je comprends pas la possession. 62% pour eux, 38% pour nous. C'est nous qui avons dominé le match. Regardez, ils ont fait qu'un tir. Je comprends rien, désolé. Bref, donc 2-0. On va regarder les résultats. Je vais pas me planter, je vous le promets. Colombie bat Chili 3-1. L'Espagne bat l'Allemagne 1-0. On remonte au classement. On passe devant forcément l'Allemagne. L'Uruguay bat la Croatie 4-2. L'Italie bat le Danemark 1-0. France bat Mexique 2-0. Brésil bat l'Argentine 1-0. Je crois que l'Argentine était devant nous aussi. Donc je pense qu'on peut remonter aussi devant l'Argentine. Angleterre bat la Pologne 1-0. Suisse bat Portugal 1-0. Belgique bat Pays-Bas 4-0. Et Pérou bat la Suède 2-0. Au classement, donc effectivement, la France remonte d'une place. Donc toujours 4 points de retard sur le Brésil. Mais 1 de retard sur l'Allemagne et l'Italie. Et l'Argentine, effectivement, qui a perdu une place. Voilà, donc 28 points. On a la différence de but, donc plus 18. On a marqué 25 sur 7 buts encaissés. Et le Brésil, on a quand même 24. On est la meilleure attaque. Mais la meilleure défense reste le Brésil. Dans le Pérou, 4 buts marqués, 17 encaissés. Oh, donc il y a du classement. Il y a du changement dans le bas du classement. Puisque le Danemark descend d'une place, le Pérou, bon, de toute façon, voilà. Mexique-Chili, pour l'instant, barragiste. Voilà. Donc voilà les amis, donc on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine journée. En attendant, restez chaud patate. Bye bye.